Bonjour, cette vidéo va nous montrer notre premier point de base qui est la toile. Nos fils sur les bobines se trouvent à faire les fils de chaîne et les fils de trame, c'est nos deux meneurs qui vont être de couleurs différentes, qui vont traverser de gauche à droite pour faire la trame. Fait qu'on va commencer à placer nos fuseaux. Vous allez bobiner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paires de fuseaux, excusez-moi, d'une couleur et une paire de fuseaux d'une couleur différente qu'on va appeler nos meneurs. C'est eux qui vont traverser le travail. Ici, pour commencer le travail, j'ai mis des épingles. C'est sûr que là, c'est gros parce que je travaille du coton, mais d'ordinaire, on prend des petites aiguilles en stainless pour pas que ça rouille, pour pas salir notre dentelle, avec des petites têtes. C'est parce que là, elles ne sont pas assez solides pour travailler du coton. Alors, je place mes deux premières paire de fuseaux, mes meneurs et une paire. Ensuite, je place un autre paire ici sur chaque aiguille. Il m'en reste 3. On va en mettre une deuxième ici, dans la deuxième place, dans la deuxième aiguille. Une ici. Voyons. La dernière sur la dernière épingle. Les fuseaux vont toujours se présenter en ordre. Fait que même si on les met tous ensemble, avec notre travail, on ne sera jamais mêlé. On commence. Comme je vous ai dit, on travaille toujours avec deux paires de fuseaux. Notre mouvement pour la toile, avec chaque paire de fuseaux, je vais travailler croisé, tourné, croisé. Je vais changer de paire de fuseaux. Je vais travailler croisé, tourné, croisé. On commence. Notre première paire. Croisé. On passe le fil bleu par-dessus celui du milieu en allant vers la droite. Croisé. Tourner, on prend les deux fuseaux qui composent chaque paire. On les passe par-dessus, on tourne, autrement dit croiser, tourner vers la gauche. Et on reprend les deux du milieu pour faire croiser. Comme ça. Ça, c'est notre premier mouvement. On prend la première paire. On place nos fils et on la laisse de côté. Je vais mettre un autre gros épingle à chapeau pour pouvoir les séparer. Je prends la prochaine paire de fuseaux qui se présente ici. Je recommence. Croiser, tourner, croiser. J'ai fait mon deuxième mouvement. Je tasse ma paire. J'en prends une autre, la prochaine qui se présente. Je fais le même mouvement. Croiser, tourner, croiser. On est en train de passer à travers du travail. Je prends la prochaine paire qui se présente. Et je fais toujours mon mouvement. Croiser, tourner, croiser. Je tasse ma paire. Je vais chercher la prochaine. Croiser,
tournées croisées. Croisées, tournées, croisées. Mes meneurs sont toujours ceux qui traversent le travail. On fait le dernier. Croisé, tourné, croisé. Là, on a vraiment traversé tout notre travail. Ce qu'on fait, on vient mettre un épingle vis-à-vis le premier trou noir, ici, le premier picot noir, entre nos meneurs et la dernière paire au bout. On tourne les meneurs une fois et on continue. Croiser, tourner, croiser. On tasse notre paire, on en prend une autre. Croiser, tourner, croiser. On tasse notre paire, on en prend une autre. Croiser, tourner, croiser. Croiser, tourner, croiser. Croiser, tourner, croiser. Notre avant-dernière paire. Croiser, tourner, croiser. On arrive au bout avec la dernière. Croiser, tourner, croiser. On a fait un aller-retour. Lorsqu'on arrive au bout, on vient mettre un autre épingle vis-à-vis le picot noir. Et en tirant doucement sur mes fils, je vais replacer la tension. C'est comme si on jouait un petit peu du piano. On vient pianoter ou jouer de la flûte ou de la trompette et ça vient placer nos fils. Là, c'est sûr que c'est pas le même travail que lorsque c'est du petit fil. Du petit fil, ça se place mieux. Mais vous voyez, déjà, on commence à voir le résultat. On commence à avoir une belle toile. Je vous laisse faire. Je vais arrêter la vidéo. Je vais en faire un petit bout pour vous montrer le résultat. Ensuite, on va apprendre à faire de la lisière chaque côté de notre toile.